qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé. Yeah.
celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante. Jamais de tout mon être
petit dé, mais tu es le grand Dieu, tu es le seul Dieu du monde. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, et tu veux bénir ton peuple, alléluia. Tu veux t'occuper de ton peuple, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Faites confiance au Seigneur. Je m'offre à toi. Oui, Jésus. Reçois mon offrande. Oui, Jésus. Me voici à tes pieds. Alléluia, alléluia. Reçois mon offrande. J'offre tout pour toi, Père.
Bonjour tout le monde, bienvenue à notre message du dimanche. Alléluia, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi j'ai eu une très bonne semaine et j'ai vraiment hâte de prêcher un message ce matin. La parole de Dieu est toujours résistante à mon cœur. On va continuer dans le chapitre 14 du livre des Actes. On continue jusqu'à la fin. Alléluia. Il y a vraiment une bonne leçon d'humilité et ce que vraiment est le cœur de Paul, puis ce qui devrait être notre cœur, qui est le cœur du Christ. Alléluia. Alors, Actes chapitre 14, commençant à verset 8 jusqu'à verset 18. Une belle histoire. Avec Paul, c'est toujours, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Et c'est ça qui fait le livre des Actes des apôtres excitant à lire. Et voir comment la première église, ou bien l'église qui a commencé, agissait dans l'esprit. Alléluia. Alors, ça dit ici, « À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il n'écoutait pas le parler. Celui-ci fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. C'est le même miracle qu'on dirait qu'on lit ici que Actes chapitre 3. Et après ça, verset 11 dit, « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers la porte. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Wow! Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi sommes des êtres humains de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine qu'il put, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on a la puissance de Dieu, ceux qui ne connaissent pas rien de Jésus ou de Dieu, on dirait qu'il y a une sensation en dedans qui leur dit que, hey, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de surnaturel, il doit être un Dieu. Wow! Il y a un dicton dans ce monde-ci. Il est une légende dans son propre esprit. Avez-vous déjà entendu ça? Cette personne y pense qu'il est bon. Dans sa pensée, dans son esprit, il pense qu'il est une sorte de légende. Ceci parle de quelqu'un qui pense et parle comme si il était la meilleure chose depuis le pain tranché. Regarde-moi. Regarde ce que je sais faire. Regarde ce que j'ai fait. Les personnes qui sont comme moi, là, sont ici et là, ils n'ont pas gros. On est spécial. Tu sais, des mondes qui se pensent sont une sorte de légende. On pourrait certainement dire que c'est de la fierté pour dire le moindre, plein de lui-même. C'est une attitude de cœur et d'esprit qui est si éloignée du vrai cœur de Dieu. Mais ce n'est pas ce dont parle notre histoire aujourd'hui. En fait, c'est tout le contraire. Nous venons de terminer la lecture d'une histoire sur un infirme sorti du ventre de sa mère qui n'avait jamais marché. C'est ça l'histoire ici. Okay? Cet homme a été guéri par Paul dans la ville de Lystre alors que Paul prêchait la parole.
Paul a remarqué que la foi qui était dans l'esprit de cet infirme, alors qu'il le regardait attentivement. Imagine ceci. L'Esprit de Dieu qui travaille à travers de Paul et lui montre que cet homme, par la manière qu'il regarde, par l'intensité, le cœur, il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Cet infirme fut analysé par le Saint-Esprit agissant en Paul. Il y a des choses que nous pouvons voir par l'Esprit. La faim spirituelle, la soif et la foi de quelqu'un. J'ai vu ça souvent. Tu vois, ils sont attentifs à la parole. Il interroge, il veut vraiment savoir. Tu peux le voir, tu le sens dans ton esprit que cette personne, il a une intensité en dedans de lui. Le visage de cet homme qu'on voyait ici affichait sa foi. Personne d'autre n'a vu cela que sauf Paul qui était rempli du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que l'infirme a obtenu sa guérison complète. Alléluia! Imagine-toi être infirme du ventre de sa mère, de sa naissance. Je vais marcher. Tout à coup, boum, il se lève, puis pas juste levé, là. Il bondit. Alléluia! Ça, c'était par la foi. Cette foi enfantine, c'est le genre de foi qui te procure les choses que Dieu a en attente pour toi. Dieu a toutes sortes de bonnes choses. Si vous ne connaissez pas Dieu ce matin, prenez le temps de le rechercher. Hallelujah! Et repentissez-vous de vos péchés. Tournez votre cœur envers Dieu et vous allez voir la bonté de Dieu ce matin. Hallelujah! Vous allez le voir. Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Il va changer votre vie. Hallelujah! On voit ça ici à cette époque, puis rien n'a changé à ce sujet aujourd'hui. Dieu veut te guérir aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Dieu désire te guérir maintenant. C'est l'histoire qu'on vient de lire. Tout à coup, il a vu, il a entendu la parole de Dieu, il a cru ce que Paul dit, et par la foi, il s'est élevé, il a commencé à bondir, hallelujah. Et tout le monde a vu. Hallelujah, il y avait des témoignages, puis après des témoignages. On l'a vu, on a tous vu ça. Mais pour avoir ta guérison, il faut que tu crois en lui. Que tu crois qu'il existe et que tu crois qu'il est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il peut faire. Hallelujah. Tout ce que tu as à faire est de croire et d'avoir la foi en lui. La perfection n'a rien à faire ici. As-tu ce genre de foi aujourd'hui, une foi enfantine? Si tu l'as, tu peux tout recevoir de Dieu. Merci Seigneur que tu nous donnes la capacité de croire en toi pour recevoir les choses. Ce n'est pas compliqué. Crois sans doute dans ton cœur et sois confiant en lui comme un enfant a la foi dans son Père naturel pour subvenir à ses besoins. Hallelujah! Et si ce n'était pas ton expérience d'enfance, si, pas chaque personne a une bonne expérience, qui ont expérimenté un bon père, mais si tu veux vraiment voir ce que est un père, le Père Céleste va te montrer, il va pourvoir pour toutes choses pour toi. Hallelujah! Toutes choses que tu as besoin dans cette vie. Et Dieu veut s'en rendre fort et de prouver son grand amour en étant ton pourvoyeur, ton guérisseur, ton conseiller et ton héros de tous les jours. Hallelujah! On est serviteur d'un grand Dieu. Vraiment, il a seulement un Dieu. Il n'a aucun autre Dieu. On n'est pas une légende. C'est Dieu, hallelujah, qui est Dieu. Il l'a fait ce jour-là pour cet infirme. Maintenant, ce qui est arrivé ensuite était un petit peu bizarre, un peu inattendu et quelque chose que j'appelle une combinaison de la chair et de manifestation démoniaque. C'est ça qui est vraiment arrivé. La gloire qui devait être donnée à Dieu
a été redirigé vers Paul et Barnabas. Pourquoi? Eh bien, une chose est sûre, c'est que le diable était fâché parce qu'il a perdu plus de biens immobiliers spirituels. Le boiteux a été libéré, n'ayant plus besoin des autres pour le traîner, pour le supporter. La puissante voix d'autorité de Paul a libéré le boiteux de tout ce qui le maintenait immobile et l'a rendu fort et capable de sauter et de marcher, de se lever et de s'avancer. Hallelujah! Et par la foi et l'assurance, tu as cette voix aussi. On a cette voix ici. Hallelujah! C'est toutes les choses qu'on voit dans la Bible, par les disciples, par les apôtres, tout ça. C'est pour nous ça aussi. Hallelujah! On a la voix d'autorité. Le Seigneur nous a donné son autorité. Hallelujah! Et nous pouvons l'utiliser dans ces situations-là. Cette histoire me rappelle toujours que Dieu est toujours si désireux de nous donner la force dont nous avons besoin de nous lever et d'aller du devant. Le croyant en Christ n'a jamais été censé d'être physiquement ou spirituellement infirme. Non, nous avons tous été créés pour vivre et pour adorer Dieu. Hallelujah! De vivre pour Dieu, vivre par la foi, d'être son serviteur, de le louer. C'est ça qu'on a été créé pour, avoir une relation avec le Seigneur. Et Paul, en prêchant la parole, a guéri cet homme qui a donné son cœur à Jésus, a vu qu'il y avait de la foi quand il croyait. Hallelujah! Alors cet homme est sorti des dimensions de la noirceur, de la dimension des ténèbres du diable, dans les dimensions et dans le royaume de Dieu. Hallelujah! Et c'est ça qui a causé au diable de faire sortir ces autres gens, les prêtres du temple de Zeus, et puis de vouloir sacrifier à Paul et à Barnabas. Nous pouvons tous surgir par la foi en Jésus dans une situation très précise et marcher puissamment vers notre destination. Nous autres aussi, on peut faire fâcher le diable comme Paul l'a fait. Peu importe qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur, le diable va toujours être fâché. Nos situations basses peuvent être transformées en des situations hautes ou élevées alors que nous croyons en sa force surnaturelle. Et dans toutes ces situations, nous ne devons jamais cesser de rendre gloire à Dieu. Nous ne sommes que des simples hommes et il est Dieu tout-puissant. Mon message aujourd'hui, c'est nous ne sommes que des hommes simples. On est simplement des hommes. Hallelujah! On n'est pas des dieux comme qu'on a lu. Pour revenir à notre histoire, la célébration qui a suivi a cherché à déifier Paul, Hermès et Barnabas en Zeus. Ils pensaient qu'ils étaient des dieux. C'est le genre de culture dans laquelle ils se trouvaient alors qu'ils pêchaient la parole à Lystre. C'était plein de dieux, là. Un lieu et une époque où la croyance en des dieux mythiques était commune. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de dieux, des faux dieux, des dieux qui n'existent pas seulement dans les pensées de l'homme, spécialement les dieux grecs, les dieux romains. Il y en a toutes sortes. Aujourd'hui, il n'est pas différent. On dit en anglais « Mother Earth », ta terre-mère. L'univers, c'est l'univers qui a mis ça en ligne pour toi. Et c'est maintenant, c'est pour soi que toutes les bonnes choses marchent pour toi. Les étoiles sont toutes alignées dans l'univers pour toi. Et de nombreuses croyances aussi dans la Nouvelle Âge. L'homme a toujours regardé vers des objets animés dans lesquels adorer. C'est, on regarde à toutes sortes de choses, accepter leur créateur. Paul le dit très clairement dans Romains 1, 22, 23 jusqu'à 25. Écoute. Il parle des hommes, là. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible
par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, Paul le dit très clairement là que le monde y croit dans toutes sortes de choses. Il y en a qui adorent des arbres, de l'herbe, de la lune, le soleil, toutes sortes de choses qu'on peut penser. Ils adorent, ils louent. Ils louent la créature, mais pas le Créateur. S'il y a une vérité à faire connaître sur cette terre, c'est celle-ci. Dieu Tout-Puissant est le Créateur de toutes les choses dont nous sommes. Alors, Paul et Barnabas étaient une créature. Tout ce que tu vois et ne vois pas a été créé par Dieu. Vous savez, il y a un aspect spirituel. Il y a un aspect physique qu'on voit avec nos yeux naturels, mais il y a un aspect spirituel qu'avec nos yeux naturels, on ne voit pas. On peut seulement voir lorsqu'on est né de nouveau. Maintenant, on peut le voir avec nos yeux spirituels, qui ne sont pas ces yeux ici. Il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume du ciel. Et ces deux royaumes-là, on ne les voit pas avec nos yeux naturels. Alors, la seule chose que Dieu n'a pas créée, c'est le péché et le chaos. C'est là que le diable entre en jeu. C'est la seule chose que Dieu n'a pas créée. Ça, c'est là où le diable entre en jeu, quand il a créé le péché. En lui-même, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a la fierté et l'égoïsme à rentrer en lui. Et puis, il a décidé, puis a enjôlé un tiers des anges pour venir contre Dieu au ciel, pour essayer de détrôner Dieu. Mais ça n'a pas arrivé. Personne ne peut détrôner Dieu. Dieu est lui-même Dieu sur le trône, avec son Fils Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit est en nous comme croyants sur cette terre. Maintenant, nous pouvons voir pourquoi Paul a été si offensé lorsque les habitants de Lystre ont cherché à le déifier. « Oh Paul, oh Barnabas, vous êtes des dieux, vous êtes sortis du ciel, vous êtes venus sur cette terre, vous avez guéri cet homme. Wow! Alors, on va sacrifier un gros taureau ici pour, à cause que vous êtes des dieux. » C'est ça qu'il voulait faire, il voulait le déifier. Il voulait déifier Paul et Barnabas. Et pour Paul, la culture à l'époque était de répondre en déchirant leurs vêtements de dégoût qu'ils prendraient d'une manière ou d'une autre la gloire de Dieu. Quand ils ont entendu ça, ils ont été dans la scène, puis ils ont dit « Non, faisez pas ça », puis ils ont déchiré leur linge. « On est des hommes comme vous autres, on n'est pas un Dieu. Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous n'êtes pas supposé de faire ça. » Paul et Barnabas étaient vraiment offensés. J'aime vraiment leur cœur, parce que leurs cœurs sont purs. Ils savent qui est Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui a guéri l'infirme. Mais quand le diable ne peut pas se battre contre Dieu en quoi que ce soit, il tente de le rejoindre par la tromperie avec l'intention d'élever le serviteur obéissant de Dieu à une place que seulement Dieu mérite. Le lieu de la gloire. La gloire est réservée à Dieu car lui seul est bon. Allez avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 14. Écoute, très important que vous capturez ça dans votre esprit. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Vous voyez, c'est seulement à l'agneau et au Père qui sont assis sur le trône. C'est eux autres à qui la gloire appartient. Pas à Paul et pas à Barnabas. Oui, c'est sûr, il y a une heure qui vient entre les hommes quand on fait une bonne œuvre, quand on fait quelque chose de bon, quelque chose qui est approuvé du ciel, d'un cœur humble. Il y a de l'honneur qui vient avec ça, mais pas un honneur qui est l'honneur qu'on donne à Dieu en forme de louange, en forme de gloire. Pas cette sorte-là. On a notre petit honneur ici et là, alléluia, rien de mal avec ça, mais l'honneur et la gloire qu'on donne au Seigneur Jésus-Christ et à son Père, Dieu, alléluia, ça, personne est digne d'avoir, alléluia. Alors voilà, seulement Dieu mérite toute la gloire, et son Fils Jésus aussi. Il a donné sa vie pour moi, pour toi et pour le monde entier. Et ainsi, quand il allait sacrifier les animaux à Paul et Barnabas, les considérant comme des dieux, imagine-toi, tu peux voir l'indignation de Paul. Et même à travers le fanatisme, Paul n'a pas pu les dissuader. Il a essayé de leur dire qu'ils étaient des hommes simples comme eux, mais en vain. Ils n'ont pas arrêté, ça a continué. Et si nous sommes honnêtes, cela continue encore aujourd'hui. Il a un nouveau visage, un nouveau look. Vous pouvez clairement le voir dans le culte des célébrités. Cela arrive même dans le monde de l'Église. Mais ça, je vais laisser ça à Dieu. Et donc, les gens adorent les gens dont les visages sont partout dans les médias. C'est vrai. Le divertissement, le monde des sports, le monde de la science, le monde des affaires sont dans les nouvelles, le monde sur la télévision. Beaucoup de ce monde-là sont regardés comme des oh, si je peux vraiment être alentour d'eux. Les gens qui accomplissent de grandes choses aux yeux de l'homme sont sujets à recevoir toutes sortes de gloires. C'est en quelque sorte surréaliste et incompréhensible du point de vue du vrai croyant qu'un tel honneur et une telle gloire soient accordés à de simples hommes et femmes, vraiment. On regarde des films de Hollywood puis on dit waouh, cet acteur, c'est waouh, j'aimerais ça lui parler, j'aimerais ça être alentour de lui, j'aimerais ça le voir. Le monde du tapis rouge appartient à l'ennemi. C'est l'endroit où il se délecte. Le regard aux simples hommes et femmes étant vénéré et adoré par de simples hommes et femmes, c'est ça que le diable aime. Il aime ça voir ça, il aime ça le monde adorer d'autres mondes, leur donner de la gloire. C'est la culture d'aujourd'hui à notre époque. Et je crois qu'il est temps que les croyants en Christ, les disciples de Jésus, réalisent la gravité de la question. Le monde d'aujourd'hui ne sacrifie pas des animaux comme auparavant, mais ils sacrifient leur temps et leur donnent leur attention. Ils suivent leurs mouvements sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook et Instagram en soumettant leur cœur et leurs esprits à un mode de vie qui souvent n'est pas de Dieu. C'est ça qu'on a à faire aujourd'hui. C'est quand quelque chose arrive, « Oh, t'as-tu vu qu'est-ce que cet acteur ou cette actrice a fait? Oh, wow, il a commencé cette nouvelle chose. Bien, on devrait tout le faire. » Le monde, ils ont fait deux des sortes de Dieu. Il n'y a pas de gloire qui devrait être donnée à ces personnes-là. C'est sûr, peut-être qu'ils font des bons films de temps en temps. Beaucoup de films ne sont pas bons, mais des fois, ils peuvent faire quelque chose qu'on apprécie. Mais je veux vous dire qu'il y a du monde qui prennent ça over the top. Ils vont plus qu'ils ne devraient jamais aller.
Nous devons prier pour eux et ensuite les laisser entre les mains de Dieu. C'est ça qu'on devrait faire vraiment. Quant à moi, ce n'est pas une suite dont je veux faire partie. Moi, je ne veux pas m'impliquer dans ces sortes de choses-là. Regardez ce que 2 Corinthiens 6, 14 et 18. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on est un peuple séparé. Regarde ce que Paul a dit ici aux Corinthiens. À Corinthe, il y avait toutes sortes d'idoles, toutes sortes de dieux qu'il louait. Alors, Paul avait affaire avec ça. Il a commencé une église à Corinthe et puis il est resté là comme 16 ou 18 mois. Je pense que c'est à l'entour d'un an et demi. Après ça, il avait écrit des lettres. Mais la deuxième lettre ici, il a dit ceci. Il dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, c'est clair. Écoutez, chaque génération depuis Adam a eu son propre culte impie selon sa culture. C'est vrai. Si tu regardes dans la Bible, tu vois tous les pays, les nations du monde en ayant toutes sortes de différentes sortes de dieux. OK? Tous des dieux impies, des dieux qui sont vraiment pas en existence, excepté dans leur pensée. L'homme a adoré pratiquement tout sous le ciel, y compris le ciel. Dans le monde actuel de l'Internet mondial, de la technologie et des connaissances avancées, l'homme continue à un degré sans précédent d'adorer tout, sauf le vrai seul Dieu. C'est vraiment triste. Et donc, ma prière aujourd'hui en terminant pour chaque croyant est que nous demandions au Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous de nous montrer si nous avons consciemment ou inconsciemment permis l'adoration d'une autre sorte que l'adoration de Dieu Tout-Puissant dans nos cœurs. Et si c'est le cas, repentissons-nous rapidement et tournons tous nos cœurs envers lui. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'ici d'un péché très subtil et qu'il nous demande donc individuellement de sonder nos cœurs pour voir s'il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur. Spécialement dans l'aspect d'adoration de quelque chose qui ne devrait pas être adoré ou donner une gloire. Alors Seigneur, je te remercie pour cette histoire, Seigneur, qui nous montre un petit quelque chose, Seigneur, qui vraiment est grand. C'est que le monde adore d'autres mondes, qui donne la gloire à d'autres mondes. Personne, Seigneur, sur cette terre est digne de la gloire, seulement toi. Seulement notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Sonde nos cœurs ce matin. Montre-nous, Seigneur, où on est peut-être faible, ou montre nos faiblesses, ou même nos péchés, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, si on s'en va dans une direction qui n'est pas approuvée de toi, Seigneur. Et redirige-nous, Seigneur, envers toi, pour qu'on puisse te louer et te louer seulement à toi. Et te donner la gloire à toi et seulement à toi, Seigneur, parce que c'est seulement toi qui es digne. Alléluia. Alors, touche nos cœurs, sonde nos cœurs et sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'espère que ce message a touché et que vous donnez la gloire à Dieu dans toutes choses. Alléluia. Je me trouve souvent à donner la gloire, de remercier le Seigneur. Seigneur, c'est seulement toi qui aurais pu faire ça. Alléluia. À toi soit la gloire. Ayez une bonne semaine avec ces pensées-là. Et puis, j'espère qu'on va se voir encore la semaine prochaine. À bientôt.
au nom du Christ.